Clark. Gérard, Obiti Oduku, dis-moi que tu blagues. J'aurais aimé que ce soit le cas. Tu souhaites? Ou tu es en train de blaguer? Hein? Honnêtement, si tu n'étais pas quelqu'un que j'aime et que je respecte beaucoup, j'allais déjà envoyer la foudre te foudroyer. Mais est-ce que tu t'entends vraiment parler? Chérie, écoute-moi. N'ose pas m'appeler, n'ose pas! Tu vois, je n'ai pas fait ça expressément. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Mais tu sais très bien que cela est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est nécessaire maintenant? Dis-moi. Je t'ai donné les enfants. Deux belles filles et un garçon. Oui, un fils, bien sûr. Oui, un fils qui est malade. Un fils qui peut mourir à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Arrête ça! N'ose pas dire ce genre de choses à propos de mon fils. N'ose pas, n'ose pas, n'ose pas. N'essaye plus. Oui, mais c'est ça la vérité. Tu as bien vu comment il est. Qui va l'épouser dans cette condition? Hein? Il n'a pas de vie. Il va mourir bientôt. J'ai déjà digéré cela. Et je m'attends à ce que tu fasses de même. Veux-tu bien l'arrêter? Arrête! Kevin! 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 Chérie, ouvre-moi la porte. Ok, ouvre la porte, on va en parler. S'il te plaît. Oublie ce que tu as entendu, ok? Cela ne veut rien dire. Cela ne veut absolument rien dire du tout. Fils, Kevin, tu sais que maman t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Hey, petite madame, bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien. Puis-je vous aider? Non, okay. Ne t'inquiète pas. Merci. I never knew Atlantic came for the rules they have changed, though. I'm ready to fly for my wings have grown so weak. Salut, papa. Oh, mon ange. Tu es de retour. Oui, je suis enfin là, papa. Comment tu vas, bienvenue. Papa? Merci. Tu es retourné ici aussitôt. Oui, je suis là. Je t'avais promis que je serais là, non? Oui, bien sûr. Ma super avocate. Il est encore, papa. Ah, tu sais, papa, je m'étais réservée à la première heure. Et je suis allée directement au champ. Devine que le responsable est impressionné par ma performance. Ils m'ont donné 2 jours de congé. Très bien. Tu l'as mérité. Je le sais bien. Alors, comment a été ton vol? Oui, très bien. Tout va bien. Où est maman? Elle est partie d'ici il y a un moment. Ok. Elle serait vraiment surprise. Et je vais aller faire... Maman? Tout va bien? Tu es maintenant heureuse? Après toutes choses que j'ai dû faire pour toi, c'est le seul moyen que tu as choisi de me payer? Gérard? Oh, du coup. Mon Dieu, te jugera. Papa? Maman? Maman, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux bien. Non, maman, rien ne va. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi tu as dit tout ça, papa? Béni, je dis que je veux bien. Je ne vais pas surtout parler de toutes ces choses maintenant. D'ailleurs, tu viens à peine de rentrer. Tu dois te reposer, manger, ok?
Maman. Maman. Hey. Tout va bien. Je vais bien. Oh, Tante Gotima. Obio. Bienvenue. Merci, Obio. Tu n'as pas traîné? Oui. Ah, comment tu vas? Je vais bien, maman. Madame, je finis ce que j'ai préparé. Je peux vous servir? Oui, tu peux nous servir. Tanti et Tatima, très jolie. Merci. Mon esprit me dit que tu es une vraie cuisinière. Oh, vraiment. Maman? Maman? L'audition était tellement drôle. J'étais tellement choquée de voir le groupe. Vous savez, d'autres personnes ne se dérangent même pas de savoir qu'est-ce que l'audition signifie. Monologuer ou dialoguer. Une très belle fille se disgrace elle-même. Avant, quand elle venait, elle disait à tout le monde qu'elle est une TikTokeuse, une YouTubeuse et une influenceuse. Enfin, elle est tout ce qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Mais elle n'arrive pas à chanter une seule ligne de son clip. Et on était là à se demander qui elle influence. Hein? Oh. Oh, qu'est-ce qui ne va pas ici? Oh mon Dieu! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'était quoi les drames enfin? Et je suis vraiment enfamée. Bénin, tu... Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est-il mort? Ah ah! Quelqu'un peut me dire quelque chose, s'il vous plaît? Oh! À quoi est dit tous ces drames au juste? Qu'est-ce qu'il y a? Et je suis vraiment affamée. Hein, Bénin, tu... Hey, toi aussi? Ok, oh, moi je vais manger. Peu importe la gravité du problème, on parlera de ça après. Et les problèmes aussi ne finiront jamais. Je savais que je ne serais jamais déçue. Life is not a bed of roses. Sometimes nature can make you cry. Oh no no. Oh, il est là. Ah, Okudo. Viens là. Petite madame. Okudo, il y a quelque chose qui s'est passé à la maison aujourd'hui? Comme quoi? À l'intérieur ou bien encore plus à l'intérieur? As-tu entendu quelque chose du genre le cri d'une dispute? Non. Non, je n'ai rien entendu du tout. Hein? Je n'ai rien entendu du tout. Mais je l'avais dit, ce garçon qui vit là à l'intérieur de cette maison-là, j'avais dit que cette chose-là allait affecter son cerveau. Maintenant, il est devenu fou. Hein? Il fallait juste qu'il puisse... S'il te plaît, ferme-la. Hein? Tu peux la fermer? Dès que j'ai dit que mon frère était un cramé, je te l'ai dit. Mais vous m'avez demandé si j'avais entendu un bruit. Je ne faisais que répondre.
Je ne me rappelle pas d'avoir mentionné le nom de quelqu'un. Ai-je fait cela? Mban. Il y a juste Abo, mon client, qui vient souvent pour me donner 4 gobelets. Non, 1 seul gobelet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui à la maison? Ça ressemble à une querelle ou un argument. C'est une simple question, oui ou non. Tu as entendu quelque chose? Non. Je n'ai rien entendu du tout. Je n'ai rien entendu du tout. Le seul bruit que j'ai entendu ici, c'est celui de ma vendeuse qui était venue aujourd'hui. Celle-là qui vend le Abo. Cette fille qui vend les abos, c'est elle qui était venue ici pour me donner un gobelet. Vous savez, un gobelet, je veux dire... Hey, un gobelet et demi. Hey. Mon frère va bien et il ne sera jamais cramé. Tu m'as entendu? Petite madame, vous savez, mais je suis pas comme ça, non? La seule chose ici, c'est que je suis aussi dérangé par sa condition. Hein? Ah, vous me connaissez, non? Je suis une personne très gentille. Mais les gens... Chut, n'ose pas. Ne le répète plus. Ok, pardon. Madame. Hé hey! Viens. Je n'ai fait que dire que j'étais dérangé par l'état de hey, mes enfants. Hey, je suis là. Voilà qu'elle a commencé hey, à me parler hey, comme si j'étais une mauvaise personne. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, même? Tu C'est la bienvenue. Tantu Fatima, qu'est-ce que j'ai fait, oh? Obio, entre par ici. Ah, ok, oh. Je suis en train de venir, Tantu Fatima. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Obio, ferme ta bouche. Parce que déjà, tu t'habilles comme une folle et ça ne te fait pas honte. C'est quoi ton problème? Hein? Quelque chose ne va pas avec mes parents. Hey, quelque chose s'est passé ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose comme quoi? As-tu entendu mes parents se disputer ce matin? Hey, se disputer? Oh, hey oh, tu n'es qu'une. Tantôt Fatima, je n'étais pas d'accord quand tu as donné ce travail à mes oreilles de prendre de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles dans cette maison. Je n'ai rien entendu, oh. Je n'ai pas une querelle. Je ne sais même pas. Je n'ai rien entendu à propos d'une querelle. Abigail. Je ne sais rien du tout. Abigail. Je n'ai pas dit que tu es celle qui a des querelles. Oh. Je parle à propos de mes parents. Il y a quelque chose qui s'est passé entre eux. Il y a quelque chose qui s'est passé. As-tu entendu quelque chose? Dis-moi, s'il te plaît. Tantôt, Fatima, rien ne s'est passé. Oh. C'est à peine que tu me vois. Je n'étais pas à la maison. J'étais encore au marché. J'ai dit, ma madame, ta maman m'a fait envoyer au marché. J'étais allée au marché acheter tout ce que je prépare aujourd'hui. J'ai préparé au faco, j'ai préparé la soupe, j'ai préparé au fa et au nouveau pour vous accueillir. J'étais toujours occupée et quand j'ai fini de préparer, j'ai commencé à nettoyer la maison, à nettoyer des habits et même la toilette. Oh, bio, s'il te plaît. Tu n'as rien entendu, d'accord? Je n'ai rien entendu. Oh. Directement, j'ai fini à préparer et j'ai commencé à nettoyer. J'ai nettoyé cet endroit 2 fois. Je vous assure que c'est vraiment très, très, très bien. Oh, mais ferme-la, ferme ta bouche. Oui, ma. C'est quoi le problème avec toi? Désolée, ma. Tu n'as vraiment rien entendu aujourd'hui? Tu n'as rien entendu? Gautima, je n'ai rien entendu. Bien sûr, tu vas rien entendre. Tu es celle qui est trop loquace dans cette maison. Mais jusque là, tu n'as rien entendu du tout. C'est quoi le problème, homogiste? Personne ne peut me dire quelque chose. Sérieusement? Le quoi? Tantu Kotima, je n'ai rien entendu, oh. Écoute d'abord la façon dont tu dis tes mots. Je ne sais même pas ce que tu dis, oh. Là où tu étais allée, c'était juste pour mettre encore ma tête en confusion, oh. Tu n'es pas si bien. Nagodima, tu n'as pas dit, oh. Je vais oublier pour te dire, savons, hein? Oui, mais... Tantu Tchétché, qu'est-ce qui s'est passé? Où est tout le monde? Ils n'ont pas touché la nourriture. Je ne sais pas, oh. Ils n'ont pas aimé la nourriture. Je ne sais pas, oh. Je me dérange, oh. Unama, ils n'ont rien dit à propos de la nourriture. Oh. Et vous soit, il y a trop de sel.
Oh Bio, ta soupe est bonne. Hein? J'avais trop peur. J'ai même senti l'eau dans mon corps. Merci au Dieu. Merci d'utiliser ta bouche pour dire que la nourriture est bonne. Mais qu'est-ce qui fait que ton papa, ta maman, ton frère, même ton Dieu Gautima, personne n'a touché à la nourriture. Hein? Juste toi qui cherche à toucher la nourriture et manger. Tu ne peux pas dire que cette nourriture n'est pas bonne. Hein? Juste abandonner comme ça. Juste manger, manger. Hein? Tanti Djedje, je croyais que tu allais dire que cette nourriture n'est pas bonne pour que demain je ne prépare plus. Il faut. Tu as abandonné, tu as laissé. Tanti Djedje, tu es comme Maka. J'ai testé cette nourriture, non? Je l'ai testé. Même si Agoda s'est testé aussi, non? J'ai joué avec cette nourriture. C'est de la blague. Même la question que Tanti Agoti m'avait posée. Bénin, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde est vraiment frustré? Chelsea, je ne sais pas. Tout ce que je sais est que je viens justement d'Abuja. J'ai trouvé papa au salon. On s'est parlé. D'un coup, maman est entrée. Elle a commencé à dire des choses sur papa comme si elle devrait punir papa pour ce qu'il a fait à elle. Je n'ai pas bien compris. Quoi? Tu veux dire maman a dit ça? Oui, elle l'a fait. Et j'étais vraiment surprise de l'entendre parler de ça. Je ne l'ai jamais vu ainsi avant. Non plus moi. Ah, qui peut vraiment être le problème? J'ai dit que je ne sais pas. Je viens de te le dire. Allons-y demander à maman. Viens, allons-y. Oh, s'il te plaît. Je l'ai déjà fait. Elle a dit qu'elle ne peut pas parler de ça maintenant. Et tu l'as laissé? Désolée, je l'ai vraiment faire quoi? La forcer de me parler? S'il te plaît, allons-y d'abord. Peut-être qu'elle parlera. Je pense qu'elle a besoin du temps. Alors, donnons-lui juste du temps. Bon après-midi à tout le monde. Hein? On verra après. Laissons-la. Amaka, comment tu vas? Salut Amaka. Je vais bien. Kevin va bien. J'ai essayé de l'appeler, mais il est injoignable. Il va bien. Il est dans sa chambre. Ah, ok. Alors, comment papa et maman? Tout le monde va bien. Ils sont à l'intérieur. Nous allons bien. D'accord. Bonne fille. Alors, que devons-nous faire maintenant? Et j'ai dit, laissons-la pour le moment. Hein? On la parlera quand le temps viendra. Kevin, je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas répondu. Est-ce que tu vas bien? Tu es trop pâle. Oui, je suis toujours comme ça. As-tu pris des médicaments? Pour quelle raison? Et c'est quoi la raison de prendre tous ces médicaments? Après tout, je vais toujours mourir. Bébé, arrête. Ne dis pas ça. Tu iras mieux. Arrête ça, ok? Arrête, d'accord? Viens là. Tout ira mieux. Tout sera bien, d'accord? Désolée, ok? C'est bon. Ça ira, hein? Hein? Okoumé? Bien. Hein? Okoumé? Que fais-tu avec tantine Kotma? C'est la question que tu me poses. Même si j'étais roi, dans la vraie vie, je ne t'épouserai jamais. Tu n'es qu'aimé. Pourquoi n'aimes-tu pas simplement me donner ma nourriture et attends? Hein? Quel mariage? C'est quoi le rapport avec le mariage? Allez, tais-toi! Vois-tu la peur dans ce visage? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête avec la nourriture, nous parlons de choses très importantes. Ok. Qu'as-tu fait à tantine Kotma? Elle est fâchée. Madame petite patronne est encore vexée?
est-elle encore vexée ou bien veut m'emmener à la cour? La cour? Hein? Non, ils vont t'enfermer pour du bon. Elle est fâchée contre toi. D'ailleurs, la façon dont elle est énervée. Si j'étais à ta place, j'allais m'enfuir pour ne plus revenir. Il y a juste une chose qui m'inquiète, moi. Je me suis toujours dit que ma fille à moi serait avocate, mais à cause de ça, elle sera jamais avocate. Parce qu'un de ces jours, elle pourra me mettre en prison. Tu n'iras pas. Écoute, je vais te dire, je ne lui ai rien fait du tout, moi. Personne ne s'amuse d'ailleurs avec elle. Hein? Elle est juste venue et m'a demandé si j'avais entendu les gens en train de se chamailler pour cette maison. Il n'y avait que ça, oh. J'étais là quand elle t'a demandé cela. Mais qui s'est battu dans la maison? Je le sais d'abord. Peut-être que toi, tu le sais parce que c'est toi qui trouves à l'intérieur et moi à l'extérieur. Hein? C'est à moi de te demander et non que toi, tu me demandes. Si jamais quelqu'un s'était battu à l'intérieur. Maintenant que tu l'as dit, je ne sais vraiment pas ce qui se passe chez Tantine Cosma. Parce que si tu vois sa colère, si tu vois comment elle était énervée, parce que quand elle t'appelait, quand elle citait ton nom, c'était tellement long comme si elle mentionnait le nom de la police. C'est à moi qu'elle a donné ce nom? Je suis sérieux, c'est comme si elle avait mentionné le nom de la police. Ok, dis-moi, quel est-il? Dis-moi, le nom. Elle avait dit... Unkume. Et... Non, quoi? Elle a dit un truc du genre... Non, quoi, somme, tu sais, il y a deux minutes, mes nerfs étaient vraiment tendus, mais là, ils se sont vraiment calmés à cause de Lokwa. C'est comme un Lokwa. Lokwa, le nom que ma mère utilisait pour m'appeler quand elle était en vie. Elle m'appelait Lokwa, à moins qu'elle n'ait ajouté quelque chose. Ah, sérieux, je suis vraiment très, très content. C'est quand même Lokwa. Écoute, bien, bien. Donc, elle m'avait juste appelé Lokwa. C'est pas ces noms que ta maman t'appelait quand tu étais encore là-bas au village. C'est pas ces noms-là. Les noms auxquels Tantine Cosma t'appelait étaient tellement longs. Lokwa, c'était cochon. La attends, police. Attends, attends. C'est ce que j'ai entendu. Je suis en train de méditer. Et de digérer. Non. Va réfléchir sur ce long nom-là. Viens me le dire après. Je vais le digérer. Exact. Orima. Je m'en vais réfléchir. Je te reviendrai dans une semaine. Et c'est à ce moment-là que la nourriture te sera servie. Après une semaine de réflexion. Je m'en vais. Pourquoi? Je reviendrai après une semaine, t'inquiète. Sache que sous ton sommeil, je vais prendre... je vais prendre ce qu'on appelle les ciseaux et je vais te couper tes cheveux là. Regardez là. Ne cherche pas ce que je me fâche. Donne-moi seulement la nourriture. Si je mange la nourriture, alors tu pourras penser à ce nom. En fait, voilà pourquoi de toute ma vie, je n'ai jamais aimé les avocats. Si je savais qu'il y aurait des avocats dans cette parcelle, j'aurais jamais mis mes pieds ici. Voilà qu'on peut parler un tout petit peu. Elle va être là à nous apporter des lois, des lois, des lois et des lois. Maman, désolée de t'avoir dérangée. Je t'ai fait un PDJ. Je l'ai fait moi-même. Maman, il y a quelque chose que tu veux manger? Juste dis-moi, je le ferai pour toi. Maman, tu sais qu'on t'aime. Oui, je me sentais trop mal de te voir comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux bien nous parler. Vous vous êtes habitué à être heureuse, n'est-ce pas? On avait une famille tellement heureuse. I can feel the atmosphere.
la dernière carte. Quoi? Pas moyen. Tu ne vas même pas gagner. Non. Non, non. Alors regarde, hein, avec maman. Donne-lui quelque chose d'autre. Je te donne cœur. Maman! J'ai gagné! tu vois comment tu m'as triché, hein? Je suis le gagnant. Salut! Qui t'entraîne de gagner? Bienvenue, papa. Bienvenue, papa. Bienvenue, moi, papa. Bien sûr. Elle ment. Papa, c'est Kevin qui gagne. Oh, ça, c'est mon garçon. Yeah! Oh, très bien. Alors, c'est quel jour aujourd'hui? Ah, on ira manger. Manger. Très bien. Alors, où est-ce que nous allons? Dans le même endroit. Voilà, maman, s'il te plaît, veut, une autre place. Maman, prends une autre place. Je suis fatiguée de cet endroit, pardon. On a juste besoin de la crème. Oh. Juste de la crème. Quoi que vous vouliez, où que vous vouliez aller, allez juste vous préparer. Avant que je ne change. Ok, je t'aime, papa. Désolée. Oh. Hey, désolée, allons-y. Oui, maman. Maman. Vous méritez d'être vraiment heureuse. Maman, on est heureuse. Oui, je pense qu'on l'est. Oui, on est une parfaite famille. Mais cela ne sera pas éternel. Même pas l'amour. Peu importe la manière dont tu essayes. Ça finirait toujours mal à la fin. De toutes les façons, maman, de quoi tu parles juste? Je ne sais pas, mais tu apparais comme une personne qui a perdu de l'espoir et une femme malheureuse. Oui, maman, et cela inquiète. Ma chérie, je suis désespérée et malheureuse. Pourquoi? Maman, qu'est-ce qui se passe? On parlera de ça quand votre père sera de retour. Hey! Hey! Mon gars! Quoi de neuf, mec? Je vais bien, bro. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, mec, mais Chelsea ne prend pas mes appels. Penn ne prend pas non plus les miens. C'est vrai ça? Ouais. C'est étrange. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Continuons d'appeler. Très bien. C'est le téléphone de ta sœur? Oui. Bébé? Oui. Promets-moi que tu iras mieux. Je te promets. Je serai guéri. Ok. Où est tout le monde? Je vais saluer tes parents. Tout va très bien aller, ok? Maman, elle est dans la maison et papa s'est déplacé un tout petit peu. Je vais la voir. Non, non, bébé, ne t'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Prends juste soin de toi-même, d'accord? D'accord. Ok. D'accord, bye. Très bien. Oh, Ben, oui? Tu es là. Ton téléphone sonne. Oh. Oh, c'est Hello. C'est Danti. Est-ce que tout va bien? Le responsable m'avait donné des jours de vacances. Vraiment? Oui, mais je pense qu'on doit vraiment l'annuler. Parce que jusque-là, rien ne va dans cette maison. Allô, Danti? Toujours occupé. Son numéro est occupé. Kevin? Tu sais quelque chose, n'est-ce pas?
Kevin. Hein? Maman a dit qu'elle a quelque chose à nous dire, mais quand papa serait de retour. Mais je pense que tu connais quelque chose. Hein? Kevin? Je pense que tu connais quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, comme tu l'as dit, nous allons parler de ça après. Oui, bébé. Bébé, je suis désolée. C'est quelque chose qui concerne la famille. On va tous bien. Kevin aussi va bien. Ne t'inquiète pas, bébé. Bébé, pour la seconde fois, c'est vraiment une bonne chose. J'ai toujours été jalouse en te voyant avec elle. Je sais qu'elle est ma sœur, mais je ne pourrais pas permettre cela. Tu dois être avec moi et non elle. Je sais, bébé. Oh! Tu m'as aussi manqué. Ok, je manque tes regards, tes baisers. Ah, ok, bébé, je te plairai après, d'accord? Bye. Oh, c'est Danti? Oh oui. J'essaie d'appeler Elo, mais son phone était occupé. Ah, ça sonne maintenant. Ah, allô, bébé? J'essaie de te rejoindre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre journal. Depuis le début de la saison de pluie, de nombreuses régions du Nigeria ont été ravagées par les inondations. Notre pays, c'est toujours comme ça avec des informations. Dans l'état de l'Écosse, les systèmes de barrages créés par la population ont été emportés par les eaux de pluie. Entre-temps, le gouvernement a mis en place un système d'évacuation de la population à travers de gros véhicules. Et d'après notre reporter en place, de nombreux véhicules ont été endommagés suite aux arbres qui tombent de partout. D'après la météo, les précipitations importantes sont à nouveau entendues au Nigeria dans les semaines prochaines. Outre la pluie, les inondations sont également provoquées par la libération d'eau de plusieurs barrages en processus et censées prévenir les inondations. Sur cette note, le gouvernement interpelle la population et leur demande de bien vouloir rester à la maison pour prévenir toutes sortes d'incidents. Regardez ça, c'est très sérieux. Hey, c'est quoi encore ce problème, hein? Oh mon Dieu. Mais c'est très et c'est grave. Trop grave aussi, hein? C'est vraiment sérieux. Patron, la pluie arrive, je ferai mieux d'aller remplir notre groupe. Parce que notre courant sera bientôt coupé. Oui, va le faire. Très bien. Ok. Ah, quoi encore? Oh mon Dieu. Il a coupé du courant. Hey. Je vais aller voir dehors ce qu'il se passe avec le générateur. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Tu peux bien me voir? Ah, oui. Voilà, arrêtez de parler beaucoup. On doit prier. Est-ce qu'on t'a déjà payé? Tanti, arrête ce que tu es en train de parler. Jésus n'est pas fatigué de faire miracle. Et on doit prier pour que le courant revienne. Oh, bio.
madame. C'est bon, hein? Ne te dérange pas surtout. Hein? Je vais tout enlever, d'accord? Va juste dormir. D'accord, madame. Je m'en vais dormir maintenant. Hein? Madame, ah, ne te fâche pas. Je vais juste prendre un jour. Hein? Juste un jour pour aller dormir. Prends seulement. Hein? Il fait trop noir ici. Je m'en vais. Bébé, tu n'es pas sérieux? C'est trop dangereux là dehors. Écoute, c'est encore mieux que je parte parce qu'il fait trop noir ici. Je ne peux pas rester là. Je pars seulement. Ah, regarde, ça y est. Oh, remercie le tout puissant. Il est au courant, mais bon. On remercie le Seigneur. Oh. Bon, je... Non, tu n'iras pas. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Papa, donc tu dis qu'il veut partir. Non, ce n'est mais pas non. vrai. Il ne peut pas partir. La tempête est vraiment terrible. As-tu entendu? Ok. Personne ne part d'ici ce soir. Nous avons assez de chambres pour tout le monde. Oui. Oui. Vous allez tous passer la nuit ici. Et demain, nous espérons que la tempête se sera déjà calmée. D'accord? Alors, sentez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Allons-nous vraiment passer la nuit ici? Oui. Oui. Oui, oui. C'est ce que je voulais dire. Oh, intéressant. Tu vois? Oui, je suis très bien. Terrible. On peut aller? S'il te plaît, bébé. arrête. C'est quoi, bébé? Pourquoi tu me fais tout ça, vraiment? C'est une excuse ou tu as refusé? Tu ne me vois plus excitante. Ah, bébé, s'il te plaît, calme-toi. Écoute-moi, d'accord? Je t'aime très fort et tu le sais très bien. Mais on ne peut pas le faire ici, maintenant. Pas ici. Bébé, c'est la maison personne ne le saura. Personne ne le saura. Peu importe. Non, arrête ça. Arrête. D'ailleurs, va-t'en. Va-t'en. I've learned the game, but the rules they have changed though. I'm ready. Danti. Oh, désolé Ben. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches ton téléphone? Je suis un peu emporté. Tu as l'air jolie. Merci, toi aussi. Danti n'ose pas. Au fait, j'appelle Chelsea. Je l'appelle mais elle ne répond pas. J'espère qu'elle va bien. Oui, elle va bien. Elle était à la maison quand je suis quittée. Tu peux continuer à essayer de l'appeler. Très bien. Je dois bien te laisser. Très bien. Bye. D'accord. Bye. Kevin. Peu importe ce que tu avais entendu, s'il te plaît, ne le laisse pas te déranger, ok? Ton père peut bien avoir son opinion, mais ce n'est pas Dieu. Dieu a les derniers mots à dire sur ce qui peut arriver dans ta vie. Tout ce genre de choses me rend vraiment confuse. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Bienvenue, papa. Papa, hein, bienvenue. Gérard, s'il te plaît, reviens. Reviens et assis-toi, on était en train de t'attendre. Chérie, je suis fatigué. Je veux dire très très fatigué. Oui, moi aussi. Mais je crois que la fois passée, on avait étalé toutes ces choses sur la table. Le mieux, c'est de parler à tout le monde dans cette maison. Je t'avais dit, laisse les enfants en dehors de cette histoire, s'il te plaît. Des enfants anormaux, Gérard.
Il doit vraiment comprendre que tu veux ôter leur bonheur. Quoi? Papa, de quoi est-ce que maman parle? Dis-le, Gérard. Juste devant tes enfants. C'est vraiment assez comme ça. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut essayer de nous éclaircir, juste nous faire comprendre ce que vous dites, s'il vous plaît, dans un français très simple. Maman, si papa ne veut rien nous dire, tu peux justement nous éclaircir qu'est-ce qui se passe au juste. Votre père présent ici a engrossé une fille et il planifie de l'amener ici dans cette maison comme une seconde femme. Quoi? Qui sait qui est cette femme? Gérard, parle à tes enfants. Kevin, tu dois manger quelque chose. Kevin? Tout ceci est ma faute. Si j'étais normal, tout ceci n'allait pas arriver. Ce n'est pas vraiment de ta faute. Tu n'as rien fait de tout ça. Mais papa pense ainsi. Que veux-tu dire? Je l'avais entendu. Essayer de convaincre maman. Parce que je ne veux pas vivre longtemps. Quoi? Papa a dit que je peux mourir à tout moment. Il a dit cela? Non, 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 non. Ce n'est pas vraiment ce que tu penses. C'est ce qu'il a dit exactement. Ces jours-là, j'allais en finir avec cette vie. Qui préfère souffrir? Dis-moi. Regarde-moi. Je suis toujours malade. Tout le monde s'inquiète pour moi. Mais surveillez. Je suis au bout. Je ne vais plus vivre dans cette maison, excepté cette nuit. Je suis en train de vivre comme un vampire debout. Papa a dit que... C'est bon. C'est bon, Kevin. C'est bon. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien dans tout ça. C'est bon. C'est bon. Life is not a bed of roses. Sometimes nature can make you cry. Oh, no, no. Take life easy, my brother. Take life the way you see it. Papa, comment tu peux? Comment tu peux dire tout ça à propos de lui? Ton propre fils. Avec tout le respect, papa, je pense que tu as perdu vraiment la tête. Ah, je comprends que tu es fâché. Mais tu ne dois pas me parler comme ça. Je suis ton père. Oh, vraiment? Comme si je devais vraiment être fier que tu es mon père. Pourquoi? Tu penses blesser tout le monde et puis tu prends ça à la légèreté? Et comment tu nous respectes déjà? Papa, tu blesses tout le monde, et spécialement maman. Il ne s'agit pas de toi ou quelqu'un d'autre dans la famille. Il ne s'agit que de moi ici. Mon héritage. Oh, bien sûr. C'est vraiment exactement ce que ton ego allait vraiment dire. Penelope, je te préviens. Qui est-elle? C'est qui cette pute encore? Elle veut du trouble? Je te préviens encore, Penelope. Papa, qui est-elle? Qui est-elle? Oh, life is not a bed of roses. Sometimes nature can make you cry. Oh, no, no. Take life easy, my brother. Take life to
Sometimes you can see good, you can see bad in your way. Ooh, I. Le 4 octobre 2023. Cher journal, mon existence ici ne semble plus comme avant. Certaines de nos plus grandes peines viennent par notre faute. C'est très triste d'avoir perdu l'affection de ta propre famille. Sans aucun doute, la trahison vient à l'homme qui n'a pas de conscience. Bizarrement, je suis la raison de cette trahison. Je crois que c'est facile de me blâmer, mais pour moi, c'est la méchanceté. Après tout, je suis un fils malade à qui on doit prendre soin. Mais je sais ce qui se passe chaque nuit quand nous dormons. Je vois quelque chose. Je suis sûr que je vois quelque chose. Sometimes you can see good, you can see bad in your way. Ooh, I. Oh, life is full of ups and downs. Sometimes you feel like giving up, 'cause life is not easy, life is not easy. Sometimes you feel just like to die. Life is not easy, life is not easy. Sometimes you feel just like to die. Oh God, only you knows that we are living by your grace and mercy. Oh God, only you know that we're living by your grace and mercy. Hope that someday you will see us through. 'Cause sometimes life can shift you from nothing to somewhere. Yeah. Oh yeah, yeah. Life is not easy, life is not easy. Sometimes you feel just like to die. Life is not easy, life is not easy. Et comme bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ferme ta bouche. Sais-tu pourquoi je t'ai emmené dehors ici? Je ne veux pas qu'il puisse entendre notre discussion à travers les fenêtres.
Écoute bien. Qu'est-ce qui se passe? Écoute bien, écoute. Tu sais que tu es bonne. Tu sais que tu es bonne. Tu n'as pas besoin de me les rappeler. Je sais bien. Bonne fille. Très bonne fille. Ferme-la. Je ne sais même pas préparer. Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais rien dans cette maison. Laisse-moi te dire cela. Et je veux que seulement nous deux puissions savoir ce que je viens de dire. Écoute, bien. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par je ne sais pas cuisiner? Moi qui sais très bien cuisiner, plus que tous les chefs cuisiniers du Nigeria, même celle qui avait gagné la compétition, ne cuisine pas plus que moi. Hein? Est-ce que je me suis querellé avec toi? Ou bien je t'ai cautionné? Mais... Patron? Va préparer la voiture. Je veux sortir. Celle qui est dehors ou bien celle qui est à l'intérieur? Hein? Celle-là. Ok. Celle-ci ou bien une autre encore à l'intérieur? Celle-là. Ok. Allez, quitte-la. Tais-toi. Tantine Kotima, au revoir. Ekoumé, viens, viens, viens. Eh oui, Ekoumé, mon ami, il y a un problème. As-tu vu ce que je veux? Tu crois me dire quoi? J'étais bien là en train de tout observer de loin. La manière dont l'avocate a regardé son père. Hein? Aïe, 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 aïe. Tantine Kotima. Tu crois que je n'ai pas vu ça de mes propres yeux? Mais écoute, qu'importe le problème, nous devons le savoir, hein? Donc tu conclus, conclueuse, tu viens de conclure, donc tu es en train de conclure. Comment? Mais pourquoi prendre ces kékérés, ces petits... Regarde, le balcon, il est vraiment magnifique. Oui. Hein? Regarde bien là-bas. Regarde là-bas, il y avait un oiseau, je viens de le voir. Tantine Tchétché, que changes-tu ici? Nous étions en train... J'étais en train de dire à bien qu'il ne nettoie pas là-bas. Là-bas en haut, il ne nettoie pas bien. C'est vraiment sale. Tu n'as pas d'autre chose à faire? Je l'ai. Ta mère, ta maman, notre patronne m'a demandé de faire les riz. Que je cuisine les riz, le poisson fumé et le piment. C'est ce qu'elle m'a demandé de faire. Alors, va le préparer. Ok, que je parte. S'il te plaît, à ton retour, achète-moi du kof-kof. Hey, toi, vends de ton poste. Ok. Hey, mon portail, oh. I'm ready to fly, for my wings have grown so weak. I never knew, Atlantic came, for the rules they have changed, oh. I'm ready to fly, for my wings have grown so weak. I never knew, Atlantic. But the rules they have changed, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Allô? Allô, Kike? Comment tu vas? C'est quoi ton problème? J'essaie de te rejoindre. Ah, j'étais éteint et j'avais tellement trop de choses à faire. S'il te plaît, dis-moi quand tu serai de retour du Ghana. Oh, je serai de retour bientôt. J'espère que tout va bien. Honnêtement, rien ne va en tout cas. Ok, je cherche juste qui parler. Alors, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Bébé n'est pas dans le téléphone. Quand tu seras de retour? Bébé, jusqu'à ce que les choses s'aggravent là-bas, je promets que je vais rentrer très bientôt. Ça serait vraiment mieux. Ou soit tu viendrais moi-même te voir là-bas. Oui, je sais, je te verrai bientôt. Oui, bye. Bye. Thank you.
Hey, Jésus. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui... Hey, hey, hey. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Hey. Ah, ah. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Arrête ça, arrête! S'il te plaît! Est-ce que tout va bien? Mon prince, je veux juste vous sauver de ce soleil. Hein? Je veux juste vous sauver. Hein? Coucou, mais. Coucou, mais. Hein? Mais. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, je voulais que faire mon travail. Je voulais vous sauver. Vous savez, j'ai vu votre ennemi et j'ai attaqué. Hein? J'ai vu votre ennemi et j'ai attaqué. Ah, mais couvrons les histoires. Non, non. Qui te l'a dit? Petit patron, vous ne comprendrez rien. La dernière fois que vous avez eu ce genre d'attaque, ce qui s'était passé était horrible. Vous avez passé 3 jours à l'hôpital. Il n'y avait plus de nourriture dans cette maison. Tout le monde était là à emporter ça là-bas à l'hôpital. Je vous prie, n'y allez pas. Je vais vous sauver de ce soleil. Je vais acheter quelque chose. Non, non, revenez. Ne sortez pas. Goumé. Oui, alors, petit patron. Ça concerne ton estomac, pas ma santé. Hey, hein? Petit patron, c'est vraiment vous qui dites ça. Écoutez, je m'inquiète vraiment pour vous. Parce que ce n'était pas du tout drôle. Hein? Moi, je vous dis seulement ce qui est vrai. Oh. Au moins, je vous ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur et puis c'est tout. Je vais juste acheter quelque chose. Je vous en prie, n'y allez pas, il y a un soleil accablant. Hein? Hein? Mais arrêtez de vous faire mal ainsi. Hein? Je vous en prie, revenez. Je vais acheter un truc. Non. Enlève ça sur ma tête. Non. Hein? Écoutez, hein, il faut que vous puissiez... Je veux que tu m'écoutes. Il faut que tu m'écoutes. Hein? Mais est-ce que... il faut que nous en parlions. De quoi veux-tu qu'on parle, Gérard? Je pris ma décision, celle de l'amener ici. Et cette attitude bizarre que tu as envers moi ne va rien changer de mon avis. Elle sera là ce soir. Je voulais t'informer. Avant que les filles ne reviennent. Je veux que tu leur parles. J'attends de tout le monde de la courtoisie. Et tout ira bien. Chelsea, ne m'as-tu pas vu? Je veux dire, ne m'as-tu pas vu, Chelsea? Maman, ça ne va pas arriver. Pas moyen, maman. Il n'y a même pas un moyen que je puisse laisser cette mecca venir à cette maison. Jamais. Ça se voit vraiment que notre papa a perdu sa tête. C'est vraiment de la honte. Donc, papa t'a vraiment demandé de nous dire qu'il va porter cette pite. Dans cette maison, oui, aujourd'hui. Et il vous demande, vous, ses enfants, d'avoir un meilleur comportement. Un bon comportement. Il veut que vous jouiez à la gentillesse. Oui. Ok. Oh. On doit jouer à la gentille. Ok, pas de problème. On va jouer à la gentille. Soyez on jouera gentil. À la gentillesse. Je pense qu'il est revenu. Je dois aller la confronter. Non. Je veux aller la confronter. Kevin, non. Juste, va t'asseoir. Juste, garde calme. Hein? On va bien la finir, ok? Allons-y voir la pite. Allons-y jouer à la gentillesse. Kevin, reste ici. Maman, je dois venir. Non, je ne peux pas rester comme pas, ça. Ne t'inquiète pas, je reviens.
Ce n'est pas elle. Non, ça ne peut pas être elle. Keke? Salut, copine. Heureuse de te voir encore. Es-tu enceinte? Ah, oui. Oui, je suis enceinte. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu es revenue du Ghana? Ghana? Ah, oh, 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 Mondo. Ah, et tu sais, je n'étais pas vraiment au Ghana. J'étais actuellement à Dubaï. Dubaï? Oui, Dubaï, n'est-ce pas, bébé? Tu étais à Dubaï? Oui, bébé, Dubaï. Papa, tu as voyagé à Dubaï 3 fois dans le dernier mois? Ah, non, 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 ça, c'est une blague. Papa, ne me dis pas que c'est telle lapide qui est enceinte de toi. Ha! Chelsea, tu sais, je suis sûre que votre maman déjà vous a tout appris pour m'insulter. Tu te mets là devant ta belle-mère puis tu insultes les seuls fils de ton père. Vous devrez me traiter avec respect, un respect maximum, je précise bien. Maximum, maximum, sale pute! N'ose pas! N'ose pas! Laisse faire la mère de ma fille tranquille! N'ose pas! Ne me dites pas que votre mère ne vous a pas transmis mon message. Vous allez tous bien vous comporter ici dans cette maison où il y aura un sérieux problème. N'importe quoi. Viens, entrons, ma chérie. Koumé, va chercher ses affaires dans les coffres. Oui, patron. Viens, ma chérie. Je suis derrière toi, bébé. Ah, je suis finalement heureuse de rencontrer ma bien-aimée famille. Ça serait tellement du chaud. On attend un nouveau bébé. Oh, chérie, je suis là. Heureuse de vous voir. Oh. Hey, Bene, j'ai mis tes chaussures. Tu vas me les donner, n'est-ce pas? On est des meilleurs amis. Heureuse de vous rencontrer, jeunes gens. Regardez votre regard, pendant que vous allez me battre. Je vous attends à l'intérieur. Oh, life is not a bed of roses. Sometimes nature can make you cry. Oh no, no. Take life easy, my brother. Take life the way you see it. Life is just like another road. Sometimes you can see good, you can see bad. I problème, il y a un problème. T'as vu ça? Deux madames, petite et grande. Ouais, quelle est? Comment Oga peut faire une telle chose? Mais moi je suis là, non? Hein? Nkoumé, je suis au côté. Il n'y a rien qui se passe ici qui dépasse au côté comme tout ça, hein. N'ayez pas peur, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous sommes là. Faut dire nous, pas toi. Nous sommes là, n'ayez pas peur. Chief, je pense que tu m'avais dit que tu as le contrôle de toutes choses. Bien sûr, toute chose est déjà sous contrôle. Cela ne ressemble pas à ça. Qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur? Kiki, hein? Cette réaction était prévisible ou est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils te reçoivent les bras ouverts? Ce qui est important est que tu es déjà ici maintenant et ils ne peuvent rien faire du tout pour ça. Je sais qu'ils ne peuvent rien faire du tout, mais parle je avec eux. Je le ferai, mon amour. Je ne suis pas là pour eux, je suis là pour ton enfant et toi. Oui. Je fais tout ça pour toi. Oui. Chérie, laisse-moi t'amener dans ta chambre et tu vas te reposer. Ok, aide-moi. Chérie, doucement. Lentement, je porte mon bébé. Bien. Doucement, ma chérie. Désolé. Oh.
Rester où? Kiki, il faut que rester tu comprennes. Rester où? Kiki. Jamais je dormirai dans ces lits. Jamais. Kiki. Ça marchera jamais. Ça va pas marcher. Oh. Il faut que tu comprennes. Je resterai pas dans cette chambre. Tu dois comprendre. Comprendre quoi? Comprendre quoi? Que je dois aller dormir dans ces mauvais lits? Quelqu'un qui... Tu sais pas que je porte ton bébé? Je ne veux pas dormir dans cette chambre, jamais. En regardant seulement mon corps. Moi, Kiki, jamais, arrête, jamais ça va ne marcher. Ne fais pas ça. Oh, mon Dieu. Oh. Je dois me reposer. Mon bas-ventre me fait trop mal. Je dois m'asseoir. Très bien, chérie. Je suis obligée de dormir dans cette chambre bizarre où tu dors avec cette stupide femme. Hein? Je porte ton enfant, je mérite mieux. Je... Aïji... Kiki, vous allez rester dans l'autre chambre à coucher. Alors, il faut que vous alliez sortir vos affaires de là, s'il vous plaît. Et pour dire ça, cela va te prendre toute une décennie. Papa, excuse-moi de dire que tu as vraiment perdu ta tête. Tu demandes à maman de quitter ta chambre pour cette salope. Tu es sérieux? Elle porte mon bébé. Papa, tu es en train de demander à maman d'évacuer sa chambre à cause de cette chaîne? J'en ai vraiment trop marre de toutes ces bêtises. Je ne vais plus vous laisser m'insulter. Est-ce que vous me comprenez? Écoute, Chief. Enchaîne tes chaînes, oh! Dis à tes enfants de ne pas commencer, sinon je vais leur faire du mal. Parle à tes enfants, je ne vais pas les parler, hein? N'ose pas essayer avec ce genre de bêtises. Ne refais plus ces bêtises, n'ose plus, oh! Kiki! N'importe quoi! Kiki quoi? C'est quoi le problème avec pas toi? Pas te marier, Kiki quoi? C'est quoi le problème avec la maison de mon mari? Je n'arrive pas à comprendre ce genre de blague que tu es en train de faire. Tu vas venir avec moi, j'essaie juste d'être une meilleure amie pour te conseiller. Marie-toi comme moi. Regarde-moi bien avec mon mari. Je veux être heureuse dans mon mariage comme une femme normale. Je suis enceinte de votre frère et de ton papa. Laissez-moi finir avec cette grossesse. Dieu ne punira pas ma grossesse au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis mariée. La vie est belle, oh. Si tu ne sais pas, demande à ta maman et te dira. C'est vraiment tout ce que tu dois vraiment faire. Regarde-moi c'est ça. C'est vraiment ce que tu es à mesure de faire. Je suis supposée vous porter et célébrer ensemble. Pensez aussi à sa condition. Je suis enceinte. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que je suis enceinte? Je n'arrive même pas à te croire maintenant. C'est quoi le problème avec toi? Il n'y a rien de si mal avec moi. Je me suis mariée et je suis enceinte de mon mari. Allez où se trouvent vos maris. Ne me troublez pas, oh. Ne me troublez pas. Je suis plus jeune que vous. Je suis chez moi, chez mon cher mari. Condition. Allez où se vous mariez. Laisse-moi me réjouir de mon mariage, oh. Prenez en compte sa condition, s'il vous plaît. Je suis même enceinte. S'il vous plaît. Que Dieu te punisse avec cette grossesse. Que Dieu te punisse avec cette grossesse. Oui, on y va. Je commence à avoir mal. Oh, ce n'est pas bien du tout. Vous voyez ce que vous faites? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que vous faites? Tu vois combien ils ne sont pas d'accord? Regarde combien ils me regardent. Chérie, je ne suis pas appuyée, je n'ai pas la joie. Je les déteste parce qu'ils ne veulent pas de mon bonheur. Laisse-moi prendre mon sac parce que je n'ai pas confiance en eux. Avant qu'ils me volent mon argent. Viens, tu vas sortir tes affaires de là. Hé, Mando, ça me fait trop mal. Et si mes parents l'apprenaient? Et si mes soeurs le savent, hein? Oh mon Dieu! Du calme, chérie. Hein? Benet? Oui? As-tu vu Kevin? Kevin? Il peut être dans sa chambre? Il n'est pas là. J'ai cherché partout dans la maison. Mais je ne l'ai pas trouvé. Hein? Où peut-il bien être? As-tu demandé à maman? Et d'ailleurs, c'est maman qui le cherchait. Nkoumé! Petite madame. S'il te plaît, viens d'abord. As-tu vu Kevin en train de sortir? Quel Kevin? Ok, petit patron. Nkoumé, où est Kevin? Tu ne l'as pas vu? Ah, Kevin? Je ne l'ai pas vu Kevin aujourd'hui de mes yeux. Ok, il a dû sortir sur moi pendant que moi je dormais. Nkoumé, de quoi est-ce que tu parles? N'es-tu pas responsable de toute personne qui sort et qui entre dans cette parcelle? Ah. Regarde s'il te plaît, allons le chercher dans sa chambre. Mais... Il n'est pas là-bas. Ah,
Ce genre de choses, moi, je ne comprends vraiment pas du tout. Veux-tu bien la fermer? Va ouvrir la porte. Kevin, Kevin. Hein? Où étais-tu allé? J'étais en train de travailler. Mais désormais, s'il te plaît, tu dois nous informer quand tu fais sortir. Maman s'inquiète pour toi. Dis-lui que j'arrive. Kevin, je pense que tu ne dois plus faire ça. Prochainement, tu dois nous informer que tu fais sortir. Maman s'inquiète, tu le sais? Maman s'inquiète toujours que je sorte. Alors j'avais eu l'opportunité de faire juste un tour. Tu sembles être inquiet pour quelque chose. Tu sais quoi, Koumé, tu peux partir. Oui. Ok. Écoute, c'est à propos de tout ce qui se passe dans cette maison. Ce n'est pas toi qui as voulu tout ça. Mais c'est de ma faute. Comment est-ce que c'est ta faute? Et je ne comprends pas pourquoi tu continues à dire cela. C'est juste comme Arrête ça. Arrête de dire ça. C'est toujours ma faute. Je les ai vus. La nuit dernière, je les ai vus. Ah, avais-tu vu qui? De quoi est-ce que tu parles exactement? Monsieur. Oui. Tu vas bien? Oui. Je vais bien. Je suis parfaitement bien. Quand est-ce que tu as vu ta femme nuit pour la dernière fois? Chief. Chief. Fais-tu bien me prendre dans la chambre des invités? Tu n'as en tout cas rien à craindre. Tu fais quoi là? Tout le monde dort déjà. Juste moi. Fais de moi tout ce que tu veux. Je sais que tu en veux. J'avais vu quelque chose. Je suis sûr que j'avais vu quelque chose. C'était tellement rempli d'émotions et de sentiments. Et ça continue toujours comme ça. Donc, ils l'ont fait dans cette maison. Vraiment, ça n'a aucun sens. Tu sais, je ne sais même pas pourquoi je t'avais engagé dans cette parcelle. Peux-tu bouger? Bouge! Je regarde la télé, tu es en train de m'empêcher. Si tu es mis devant ma télé, bouge un peu. Où étais-tu allé? Hein? Je dois parler dans ma langue maternelle. Où étais-tu? J'étais allé... Un jour, je finirai par te tuer, idiot ou fou. N'ose pas lui parler ainsi. Il peut bien même être ton père. Quel père, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu sais, Bené, tu sais, j'allais justement venir dans ta chambre. Mais heureusement. Oh, vraiment? Je suis là. Sincèrement, j'allais justement venir, pas seulement pour te dire bonjour, parce que tu mérites aussi que je te voie. Ah, tu sais quoi? Depuis que je me suis sentie enceinte, je ressens comme si le bébé était un ange envoyé du paradis. Et tu sais pourquoi? Parce que, tu sais, toutes les femmes enceintes
pressent toujours les choses du genre. Mal au dos, mal à la cuillère, des vomissements, des nausées. Mais moi, je n'ai pas tous ces genres de symptômes. J'essaie juste de dire que je n'ai pas tous ces symptômes. Tu sais, hein? Ah, s'il te plaît, tu peux la fermer? Ferme ta bouche. Ah, tu es incroyable. Tu es vraiment sans honte. Tu es vraiment une disgrâce pour les femmes. Tu sais, à un moment, je me pose des questions moi-même. Comment je n'avais pas pu voir le diable qui est en toi? Comment c'est possible, mon ami, mon soi-disant ami, soit la cause de mes peines et celle de ma famille? S'il te plaît, tu continueras à dire la même chose plus de 100 fois et rien ne changera. Tu peux, s'il te plaît, la fermer et juste l'accepter. Essaye de vivre avec. Tu peux la fermer. La réalité est déjà arrivée. Accepte cela. Tu es sur le point d'avoir un petit frère. Attends, ton bon petit frère à côté. Me prends-tu pour une folle, Kiki? Mon ami, tu ne peux pas dire ça pour moi. Non, tu es vrai. On s'est manqué. Est-ce qu'on peut s'embrasser? Si tu veux. Quelque chose ne va pas avec toi. Si tu essaies de me toucher, je te ferai du mal. Voyons, fais très attention. J'essaierai là bientôt. Ton frère te manque beaucoup, tu vois. Tu peux les toucher si tu veux. Ah, ok. Attends, laisse-moi te poser cette question. Kiki, la nuit des tonnerres, c'est depuis ces jours-là que ça a commencé? Tu avais couché avec mon père juste sous ses bris? Quand est-ce que ça a commencé? Hé, hey, Kiki, viens, viens saluer maman, viens. Ouais. Merci. Si vous voulez vous battre contre moi, juste poussez-vous. Comment oses-tu? J'étais considérée comme ma propre fille il y a longtemps. Ta mère a osé me frapper? Oui, oui, elle l'a fait. Tu as juste soulevé tes deux mains sur moi? Oui, et je peux bien le faire encore. Tu peux répéter à me frapper à chaque fois que tu trouves l'occasion possible. Je ne m'étais jamais forcée à ton mari moi-même. Il était le seul qui s'agenouillait à me supplier, avec tout ce qu'il contient comme sa nudité d'ailleurs, en train de me supplier. Parce qu'il était épuisé et fatigué de toi. Comment oses-tu? Tu ne peux jamais parler à ma mère de cette façon. C'est à cause de ça que j'ai dépassé le bord. Bénin, s'il te plaît, je lui dirai la vérité en face. Elle n'est rien d'autre comparée à un animal fatigué. Hey, toi, arrête avec ça. Continue de parler. Je dis, continue à parler. Je te mets en garde. Oh, je resterai toujours ici. Et il n'y a rien que vous pouvez faire à propos de cela. Je vais te tuer. Bénin, s'il te plaît, ne fais pas ça, d'accord? S'il te plaît. Tu vas les conserver et vivre avec ça. Tu quitteras ici en la réalité, tu dois la suivre. Je te mettrai hors de cette maison. Bénin, c'est bon. Calme, tu y es une pite. Va te regarder dans le miroir. Bénin, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu quitteras ici comme une chaîne. Faut plus faire ça, d'accord? Faut plus le faire. Pour la dernière fois, elle a un bébé dans son ventre. S'il te plaît, après tu dois prendre le travail. Vas-y. Sois prudente. Et toi, tu peux aller. Hein? Vas-y. Je peux partir? Retourne dans ton poste. Tu fermes la porte. I'm ready to fly, but my wings have grown so weak. I never knew I've landed again. Attends un peu une seconde. Es-tu vraiment en train de me dire que ton père, le général Ojoko, a enceinté ta meilleure amie, Kiki? Et moi, nous parlons maintenant, elle est dans ta maison en tant que la deuxième femme de ton père? Prends pas ça comme ça, parce que il a pas encore décidé de l'épouser. Oui, on peut dire que c'est ça, mais il y a encore trop d'explications.
Jésus. Ce n'est pas possible. Alors, babe, qu'est-ce que tu comptes faire à propos de ça? Salut Chelsea. Salut. J'ai plusieurs fois appelé ton numéro mais tu ne répondais pas. Comment tu m'as trouvé? Oh. De toute façon, j'ai appelé Kevin. Il m'a dit que tu pourrais être ici. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant que je t'ai répondu, peux-tu me dire pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? J'étais tellement occupée. Trop occupée pour ne pas répondre à mes appels, même pas répondre à mes messages. Et pourquoi tu es en train de poser trop de questions? Je veux dire, c'est pas parce que je sorte avec toi que tu dois faire des choses sur moi comme un petit ami mature. Alors, c'est quoi le problème? Alors, ta colère, c'est comme ça? Je sais, écoute-moi, le plus important est que je t'aime. Dans la relation, il y a plus que seulement le sexe. Dante, tu es en train de parler en vain. Et je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Excuse-moi. Chelsea! Tout ça est complètement fou. Sérieux. Ce n'est pas bon. Voyons, bébé, écoute-moi. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois vraiment te calmer. Je suis certain que tes parents vont régler cela. Alors ne te dérange pas, chérie. Tout ira parfaitement bien. Ok? Dois-je pas m'inquiéter? Et pourquoi je ne devrais pas? Je veux dire, ce sont mes parents et cela me concerne aussi. Bébé, je suis juste très inquiet pour toi. Oui, je le suis. Ok, maintenant essuie tes larmes. Voyons. Ah, bébé, arrête. Mais tes lèvres sont attirantes. Arrête, on est en public. Ouais, d'accord. Ok. On peut aller dans ma maison. Si tu n'es pas confortable ici, allons donc dans ma maison. Quoi? C'est juste de ça que tu t'inquiètes? Je veux dire, c'est tout ce que je présente pour toi? Voyons, bébé, j'ai fait de mon mieux. Ça fait presque une année maintenant que nous sortons ensemble. Ne penses-tu pas que je mérite ton corps? Bébé, même toi. Babe, on doit vraiment faire le premier pas. Nous devons nous connaître. Et non, arrête! Voyons, arrête ça, c'est babe, pas le problème avec babe, toi. Babe, je te promets que tout ira très bien. Détends-toi. Je ne vais pas te faire du mal, je suis sérieux. Peux-tu arrêter? Avec toute gentillesse, j'ai ouvert mon cœur à toi. Te dire à propos de quelques problèmes de la famille. Et tout ce que tu peux me dire que tu veux le sexe? Bébé, c'est là où tu te trompes. Ce n'est pas vraiment ce sexe dont tu penses. On doit juste faire quelque chose. Laisse-moi me mettre tranquille. Tu ne regretteras pas, crois-moi, tu iras bien. Excuse-moi, arrête! Tu iras très bien. Détends-toi. Babe! Mais ne me dis pas que tu t'en vas. Bénélope! Voyons, bébé, ne... Ramasse ça. Thank you.
otu. Demwa. Onye neji ego jeri ofu were. C'est quoi encore ton stupide nom? Je suis en train de te parler. Chaloukou, écoute quoi? Qu'est-ce que je raconte? Amoja. Et Oulkaï? Qu'est-ce qui t'arrive? Quelle mouche t'a piqué? Oh, ferme ta bouche! Ferme ta bouche! Je te parle et tu doutes? Ta patronne est en train de te parler et tu me poses des questions dans la maison de mon mari? Comment tu t'appelles? Ok! Stupide petite patronne! Tu ne réalises donc pas que tu as emprunté mon patron? Parce que tu es très stupide! Laisse-moi te dire! Tu n'as plus de cerveau parce que tu es enceinte? Ok! Être enceinte veut dire qu'on devient sourde parce que je ne comprends pas! Depuis que tu as emprunté mon patron et tu es venu t'installer dans cette maison, tu n'as jamais entendu les gens m'appeler Abigail? Tu n'as jamais entendu cela? C'est quoi ton problème? Chiche. Tu sais, tes parents devraient vraiment te haïr. Parce que tu es grosse. Si. Tu es vraiment grosse. Où? Écoute, je ne suis pas prête pour toutes ces bêtises ce matin. Pourquoi? Comme tu peux bien le voir, je me suis très bien habillée parce que je dois accueillir mon mari quand il serait de retour. En tout cas, Terry, ils ne me font rien du tout. Bon, de toutes les façons, je suis vraiment affamée. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Tu laisses tout ce que tu es en train de faire. Va dans la cuisine, ma cuisine pour être bien précise. Prépare quelque chose pour moi parce que j'ai vraiment faim. Je porte l'enfant de mon mari, le seul héritier de cette maison. Et oui. Maintenant, va dans ma cuisine. Prépare la nourriture pour moi. Voilà ce que je vais manger. Écoute-moi vraiment avec attention parce que je ne veux pas que je me répète encore pour une fois. Allonge. Je vais manger un poulet frais et juste un peu de la sauce de macaroni. Maintenant, tu dois t'assurer que tu dois chercher les ailes de buffle. Oui. Les ailes de buffle. Les ailes qui sont vraiment sèches. Les ailes de buffle et les gros haricots. J'ai dit gros haricots. Compris? Et tu essaies de renverser l'huile dedans. Sois très sûr que tu as ajouté du feuille. Et un peu de coco. Vas-y, dépêche. Tu continues toujours à rester debout là? Abigail. Abigail Izishibunanya, hey, tu auras vraiment tout vu. As-tu fini? Hein? As-tu tout là, Abadje? Pikombi! À la place, tu me demandais le sel du bœuf, la sauce du macaroni. Non! Tu aurais dû me demander, moi, Abigail, d'aller prendre tes urines, les cuisiner jusqu'à ce que ça crame et ça devienne noir et te les donner pour que tu boives. Ah non, Jia! Que j'apporte un. Le sel du buffle, n'est-ce pas? Hein? Demande-moi aussi d'ajouter l'éléphant. Que j'ajoute aussi la vache. Ou encore que j'ajoute le chenil. Ou encore le poisson salé. D'ailleurs, que j'ajoute tout pour que tu manges. Idiote! Pendant qu'on y est, pourquoi ne pas me demander d'ajouter la viande Excuse-moi. De mousse? Excuse-moi! Ah non, Fia! Excuse mon œil, dégage! C'est à moi que tu dis tout cela? Non, c'est à moi! Peu importe. Si tu veux manger. Parce que je peux voir que tu maigris chaque minute et chaque seconde. C'est comme si tu as un problème de malnutrition. Si tu as besoin de manger, je n'ai qu'une seule patronne dans cette maison. Va la voir et dis-lui que tu as besoin de manger. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas de ce que tu avais dit. Mais quant à moi, Abigail, je ne te donnerai même pas de l'eau dans cette maison. Tu dois d'abord aller chez ma patronne et l'informer. Ensuite, elle va m'appeler. Elle dira, Abigail, viens ici. Et je répondrai, oui, patronne. Elle me dira, prépare la nourriture et donne-lui. C'est à ce moment-là que je cuisinerai et te donnerai. Tu vois le ménage que je suis en train de faire, hein? Autoutoula, Abadje. Otchoukouamaka. Tchakodi. Une fois que j'aurai fini, j'entrerai dans la cuisine pour préparer les bananes pilées pour ma patronne. Et la sauce tofu, ça là. Les bananes pilées, c'est uniquement pour ma patronne.
Je vais piler soigneusement les bananes plantains. Comme ça, quand ma patronne va manger, son corps deviendra tendre. Comme du pop-corn, du pop-corn, du pop-corn pour mon patron. Mais quant à toi, tu n'auras rien. Lily, Doudou la boîte, qu'as-tu fait? Tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu essaies de me frapper? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi! Je vais te frapper! Tu fuis! Toi! Laisse-moi! Toi! Viens, tu vas voir. Je te frappe. Madame, mon dos. Madame, laisse-moi. C'est pour arrêter de frapper elle. Tu vas pas aimer ainsi. D'accord. C'est bon, arrête. Non, t'es touché. Arrête de toucher. D'accord. C'est bon. C'est bon. D'accord. D'accord. Abby, arrête. Calme-toi, Abby, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Madame, je te respecte. Tout ça, c'est toi. Madame, c'est parce que je te respecte. Je sais. C'est parce que je te respecte. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans cette maison. J'ai servi et j'ai cuisiné pour cette famille les nourritures qu'aucun autre Nigérien n'a eu la chance de manger. Tu ne m'as jamais frappé. Abby, je vais le dire. C'est chose. Calme-toi, c'est bon. Vous voulez tous me tuer, Abby? Tu veux me tuer avec cet enfant? Dieu ne le permettra jamais. Je vous tuerai tous. Vous êtes tous sorciers, sorcières, n'importe quoi. Vous voulez me tuer? Attendez que mon mari revienne, je ne vais pas me réveiller. Je vais mourir, vous voulez me tuer dans cette maison? Parce que je vais rester ici. Tu vas revenir, tu vas me trouver. Vous voulez me tuer? Laisse-moi les dire. Laisse-moi les dire. C'est bon, calme-toi, d'accord? Koumé, mais où est-ce que tu vas juste avec ce sac, non? Tu ne m'as pas dit où est-ce que tu es allé, où est-ce que tu vas avec ce sac, hein? Je pars voir ma mère. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu vois, c'était Kouké. C'était Kouké que Oga a ramené dans cette maison. Cette fille n'a pas honte. Elle m'a regardé droit dans les yeux, moi, Abigail Ojoni. Elle a levé sa main pour me gifler. Hein? Hey. Moi, Abigail, qui sait faire la cuisine plus que tous les autres chefs cuisiniers du Nigeria. Même celle que Oga avait dit qui avait gagné le concours de cuisine. Comment est-ce qu'elle s'appelle encore? Ilinda. Oui, Ilinda. Même celle qui se met à cuisiner du matin jusqu'au soir, sa cuisine ne dépassera pas la mienne. Elle ne pourra m'égaler. Hein? Cette fille n'a pas peur. Elle a levé sa main pour me souffler. Hey! Abigail! Abigail! Yarima! Yarima! Abby, tu vois mon visage? Quand tu me parles là, mon visage se détériore. Elle se détériore. Elle se détériore. Donc ce que tu me dis maintenant, c'est que cette fille-là a utilisé ses mains pour te gifler, hein? Tu veux dire qu'elle t'a giflé? Eh oh baby, qu'est-ce que tu essaies de faire? Non, je vais juste te montrer que le moment où elle avait utilisé sa main pour faire ceci, ta main devait faire cela. Hein? Laisse-moi te dire que si tu essaies encore de faire cette pratique, moi aussi, tu vois je lèverai ma main et t'ai giflé. Moi, bloqué, bloqué. Tu vois le système Shaolin de blocage? Écoute, moi ce qui me dépasse ici c'est comment est-ce que quelqu'un peut te gifler et tu laisses cette personne? C'est ça le problème. C'est juste parce qu'elle est la nouvelle femme de notre patron. C'est pour ça qu'elle m'a giflé. Pas de problème. Écoute, c'est pas parce qu'elle m'a giflé que cela fait en sorte que je puisse partir. Tu te rappelles ce que je t'avais dit que ces derniers temps quand je dors? Je ne fais que rêver de ma mère. Je la vois dans mes rêves. Elle me dit, Abby ma fille, Abby ma chérie, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de voir ton visage. C'est pour ça que je dis à notre patronne, je dois aller voir ma mère pour savoir comment elle va. Elle ne m'a pas donné l'argent de transport. Et pourtant, moi, j'ai utilisé ma tête, j'exploitais ma tête pour cuisiner des repas que cette fille, cette idiote de Linda, n'a jamais fait. Et pourtant, elle a été nominée pendant que moi, je reçois des coups. Hein? Imagine. Hey, oh. Hey, oh. Tu sais, Abby, je voulais que tu réponds sur ton voyage là. Mais puisque tu n'as pas cessé de te plaindre, il n'y a pas du tout moyen que tu revoies ça. Mais laisse-moi te demander, dis-moi si tu reviendras. Que j'aille d'abord voir ma mère. Et si la colère qui est en moi descend, je reviendrai. Ok, ok, merci infiniment, parce que mon ventre, c'est lui le problème. Parce qu'il y a un proverbe Igbo qui dit que un quelconque beau qui vit dans la maison, plusieurs personnes se nourrissent, la faim les tue souvent. Toute la nourriture qui est dans cette maison, je n'en bénéficierai même pas. Donc ce que je te demande, c'est de revenir ici. Moi, Abigail qui cuisine tout ce qui est cuisinable. Non, est tu vas pleurer. Non, je ne pleure pas. Ok. Je dois partir. Ok. Je dois vraiment partir.
À mon retour, si je trouve cette idiote, elle verra mon autre visage. Ok. Bon voyage, bon voyage. Laisse-moi partir pendant qu'il est temps. Mm-hmm. Je reviendrai. Abby, viens, viens. Surtout, n'ose pas changer ses cheveux quand tu vas revenir. Je les apporterai à mon retour. Ça, c'est bien. I plan the game, but the rules they have changed though. I'm ready to fly, but my wings are weak. Pourquoi ton visage est comme ça? Est-ce que tout va bien? Elon, je ne peux plus vraiment faire ça. Faire quoi? Ça! Je vais dire, je ne peux pas continuer avec cette allée juste pour te voir. Quand est-ce que tu vas rompre avec ma sœur? Hey, bébé, essaie juste de baisser ta voix, ok? D'accord? Écoute, nous devons jouer sagement. Je veux dire, nous sommes en train de parler de ta sœur ici. Ton homme à toi est mon meilleur ami. Hein? T'en fais pas pour ça, je peux gérer tout ça, ok? Alors détends-toi, s'il te plaît. Elon! Je t'ai donné tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Si ma sœur était la meilleure, tu n'allais pas la tromper, n'est-ce pas? Alors, mets fin. Bébé, j'ai dit que je vais gérer tout ça. Je peux gérer tout ça. Crois-moi. Voyons, tu dois me faire confiance. Arrête. Tu ne te déranges pas de ce que je ressens, n'est-ce pas? Je vais rester avec celui que j'aime. Elon, je t'aime. Bien, je sais, ma sœur et Danti seront vraiment frustrés de nous voir ensemble. Mais je sais, avec le temps, ils vont les surmonter. Elon, je suis juste fatiguée de tout ça. C'est comme si c'était juste bébé, une blague, c'est quoi? Je comprends très bien ce que tu es en train de dire, sérieux. Je suis en train de te dire que je vais tout arranger. C'est juste une question de temps et c'est tout, ça va aller. Nous devons être très prudents. Es-tu sûr? Ouais. Tu sais, si on fait les choses très rapidement, juste pour notre intérêt, tu risques de te sentir très mal après. Ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon précieux fils. Oui. Kelvin est un enfant merveilleux,
C'est pourquoi nous nous sommes tous réunis ici. Félicitations, mon fils. Félicitations, ma Merci. Précieuse femme. J'aimerais te souhaiter, mon fils, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'années de grâce. Amen. 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 En bonne santé. Amen. Beaucoup de bonheur. Amen. Et de prospérité. Amen. Amen. Nous voulons vous faire Oui, bien sûr. Alors nous allons chanter pour vous. Ah oui. Attendez que je déplace les gâteaux. Ne vous fâchez pas. Excusez-moi. Alors, excusez-moi. Joyeux anniversaire. Avant de vous dire, il faut chanter. Calme-toi, Loubé. Elle le connaît très bien. Oui. Elle connaît tout. Très bien. Ok. Par les noms de Jésus, on coupe les gâteaux. Ok, on peut aller. Par les noms puissants de Jésus-Christ, on coupe les gâteaux. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, maman. Oui, maman. Ok, allons-y. K-E-V-I-E-L. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Kevin. Joyeux anniversaire. Va encore de l'avant. Hourra! Va de l'avant. Hourra! Va de l'avant. Hourra! La célébration continue. Joyeux anniversaire. Madame, mon cher. Joyeux anniversaire, Kevin. Je suis là. Je partage les gâteaux, madame. Ok, j'apporte ça. Hey. Merci, 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 merci beaucoup. C'était une soirée merveilleuse et nous n'en sommes pas encore fatigués. Mais à ce point, nous pouvons... J'adore que la soirée a été merveilleuse et ça peut continuer. D'accord? Vous voyez, mon fils Kelvin, félicitations une fois de plus. Kevin a un cadeau pour vous tous. Oh, c'est vrai ça? Oui. Il a un numéro spécial pour vous. Ah, oui. Alors, Kevin, le terrain est à toi. You promise to always stay by my side. Saying to me, good things I've never heard. I wish these words of yours don't leave my mind. Cause that's the best promise I've ever heard. You always say your words are true. Hey. I believe them every day. Your words are true. You love me when I love you. Oh, you hold me when I hold you. You kiss me. Bravo garçon, bravo. Ça c'est bien, c'est ça bien, c'est bien mon gars. Viens mon fils, viens là, viens là. Maman. Kevin. Ce n'est pas facile de vivre dans cette maison, n'est-ce pas? Non, cela ne s'est fait plus. Ça fait longtemps que je t'ai entendu jouer. Maman, je n'arrive pas non plus. Je t'en supplie. Tu dois juste essayer.
On finira nous tous par être folles dans cette maison. S'il te plaît, Kevin, joue quelque chose pour moi. S'il te plaît. Je vais apporter ma guitare, maman. Ok. When the sun goes up, sometimes it comes down. No condition is permanent in this life. Sometimes, some days you can go with tears, and some day you can go with smile. Oh, 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 I. Oh, the arigide. Oh, the arigide. Oh, when the one bent. Hey, monsieur, gadima. Mama, hey, mama. Bike bezina. Hey, monsieur, gadima. Qu'est-ce qu'il y a? Non, juste mes beautés. Ah, oh! Ready to fly, for my wings have grown so weak. I never knew Atlantic came, but the rules they have changed, though. I'm ready to fly, for my wings have grown so weak. I never knew. Hey, mon gars! Dan, Dan! Elon, c'est comment? Quoi de neuf, mec? Mec, comment vas-tu? Dan, je te vois en train de prendre du whisky. Je sais que tu prends cela seulement quand il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Elon... C'est... Mais je t'en prie, garde un peu ton explication. Il faut vraiment que je me soulage là. Tu sais où sont les latrines? Ça doit être de l'autre côté. Ok, mais attends-moi, je reviens. Donne-moi juste un instant, je reviens tout de suite. Allô, amour. Oui, je viens juste d'arriver à la maison. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Je viendrai te voir encore. Allô, bébé, t'es là? Oui, moi aussi. Je t'aime aussi, bébé. Je t'aime aussi. D'accord, bye. Hey, petite madame, attendez un peu, je vais vous dire quelque chose, hein. Écoutez, si vous apprenez seulement ce qui s'est passé dans cette maison, vous n'y croirez pas. Nkoumé, qu'est-ce qui s'est passé? Ha, sérieux, que le tonnerre puisse foudroyer Kiki. Sérieux, que le tonnerre que peut produire un frère ainsi que des sœurs puisse la foudroyer. Parce que Oga est sorti avec elle. Cela lui a donné un putain de culot pour insulter votre maman. Elle a fait quoi? Elle a insulté votre maman. Mais croyez votre mère, non? Croyez en votre mère comme moi je crois en elle. Madame ainsi que votre sœur,
Ayant donné un auto-auto aujourd'hui, elles l'ont frappé en désordre parce qu'elle a fait cela. On l'a vraiment frappé aujourd'hui. Tu veux dire Keke a insulté ma maman? Hey, seul Dieu le sait. Parce que Osotuku ici présent ne ment jamais. Venez, venez, écoutez, écoutez d'abord. Vous savez maintenant, votre sœur l'a déjà giflé de sa part, votre mère l'a déjà fait également. Il ne reste que vous pour la gifler. Allez-y la gifler, une fois que vous l'aurez fait, moi je suis là. Je suis là, je suis en alerte. Rien ne va vous arriver tant que je suis là. Je vous attends ici. Les gifles, on va utiliser les gifles pour la chasser de cette parcelle en tout cas. Gifle. Je l'attends ici. Merde. Bonne arrivée. Que Dieu m'épargne. Tu es la seule personne qui a la bouche pour saluer les gens. Comment oses-tu? Comment oses-tu lever la main sur ma femme? Comment oses-tu? Papa, tu sais ce qu'elle a dit à maman? Vas-tu te taire? Papa, on va pas la fermer. On va pas, papa. On est fatigué de cette folie. Oh, donc vous me défiez dans ma propre maison? Oui, nous le sommes. Papa, tu as décidé de mettre l'ennemi dans cette maison. Je vais bien l'enseigner. Cette sale fille, cette salope essaie d'insulter ma maman. Je me fous totalement de tout ce qu'elle a pu lui dire. Il n'y a qu'une femme sans cœur qui peut taper une femme enceinte. Très bien. Quand vous avez décidé de devenir une menace pour ma femme, vous allez quitter ma maison. Maintenant. Quoi? Papa, dis-moi que tu es en train de blaguer. Tu es en train de blaguer, papa. Oh, tu continues de me défier, c'est ça? Idioma. Tu vas quitter ma maison immédiatement. Sors de ma maison maintenant. Sors d'ici. Maman, tu iras nulle part. Gérard. Tu es en train de me demander de quitter ta maison? Oui. Moi, Idioma Djouké, je dois quitter cette maison. Tu es un fou. Tu es vraiment un grand fou. Tous les hommes fous que je connais qui sont venus détruire ma vie, c'est toi. Gérard, tu es vraiment un sorcier et très méchant. J'ai bâti cette maison avec toi dès la fondation jusqu'à la toiture. Et maintenant, tu me mets hors de ma maison à cause de cette stupide chaîne. Cette jeune femme finira toujours par te trahir. Aïe. Gérard, tu es un fou.
J'ai vraiment honte à ta place. Ça suffit. Va-t'en de ma maison maintenant. Va-t'en. Gérard, tu es un fou. Je m'en fous. Va-t'en d'ici. Tu es un grand fou. Maintenant, sors de ma maison. Sors d'ici, maintenant. Ok, ok. Ok. Gérard, tu n'es pas responsable de sa grossesse. Quoi? En tout cas, tu me fais de la honte. Toi, fou. J'ai vraiment honte de toi. De quelle bêtise parles-tu comme ça? N'ose pas me parler. Demande-lui. Pose-lui la question et demande-la le vrai test. Tu es vraiment une désespérée. Une vraie sorcière. Une vraie sorcière. Comment oses-tu m'accuser de quelque chose de si horrible comme ça? Prouve-le-nous. Va chez un géniteur et fais-nous le test. Chérie, n'écoute pas cette sorcière. Il ne faut pas écouter cette horrible chose. Elle est en train de mentir. Tout ce que j'étais en train de faire, ça pourrait me prendre 4 ans, mais maintenant j'ai fini. Les conséquences corrigent mieux. Gérard, tu y es stérile. Ah! Quoi? Maman, je ne sais pas, ce ne sont pas des blagues. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire comme ça? Tu blagues, maman. Oui, je dois dire toute la vérité maintenant. Gérard, tu te souviens de Uche et ton ami docteur? Il avait besoin de m'épouser, mais je t'avais choisi. On avait fait 3 ans sans enfant. On était décidé d'aller voir un docteur, mais tu avais insisté qu'on aille voir Uche. Oui, et quand les résultats sont sortis, Uche m'a appelé. En réalité, il m'avait appelé pour se moquer de moi. Il m'avait dit que tu étais stérile et que tu ne peux pas avoir des enfants. Maman? Il s'était moqué de moi clairement. J'ai conclu avec lui de ne pas te mettre au courant. Je lui avais promis de faire tout ce qu'il me demandera. Quelques jours après cela, je prenais ta semence à tout moment qu'on faisait l'amour. Je l'ai pris dans des hôpitaux différents et les résultats étaient tous les mêmes. Gérard, tu es stérile. Tu ne peux pas avoir des enfants. Je n'arrive pas à croire tout ça. Je ne peux pas croire. Dis-moi que ce n'est qu'une manigance. Non. S'il te plaît, dis-moi. Non. Regarde vraiment très bien tous ces enfants. Aucun d'eux te ressemble. Kevin ici présent a une sorte d'allergie solaire héréditaire. Gérard, il y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui a une allergie solaire? Dis-moi. Oh maman, de quoi est-ce que tu parles? Ce sont juste des vérités. Oui, je dois dire toutes les vérités maintenant. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Suis-je le responsable de cette grossesse? Réfléchis 2 fois avant de me répondre. Parce que je vais te conduire pour faire un test d'ADN. Et si cet enfant que tu portes n'est pas à moi, je veux me rassurer que tu passes le restant de ta vie en prison. Oui. Maintenant, réponds à ma question. Suis-je le responsable de cette grossesse? Réponds-moi, est-ce que je suis le responsable de cette grossesse maintenant? Non, non, ce n'est pas le tien. Tais-toi!
plus de place, plus de place. Vous pouvez parquer dehors. Il n'y a plus de place. Ouvre le portail. J'ai dit il n'y a plus de place. Ou bien vous voulez le voir vous-même. Il n'y a plus de place à l'intérieur. Parquez, parquez de l'autre côté. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans, juste? Vous voulez la laisser là? Non, mais vous la laissez là? Ne vous en faites pas. Un jour, je brûlerai l'une de ces voitures. Un jour, je brûlerai l'une de ces voitures et je verrai ce que vous allez me faire. Regardez, regardez mon mal, on peut parquer une voiture. Devant la parcelle de quelqu'un. Ce n'est pas grave. Un jour, je la brûlerai. Ce n'est pas grave. Attendez, vous allez voir. Ne vous en faites même pas. Ichioma, as-tu couché avec Uche? Est-ce que c'est lui leur père? Chelsea. Dante, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu peux faire ça? Jeune homme, ce n'est pas le bon moment. Va-t'en s'il te plaît. Je m'en vais, monsieur, mais je dois te parler. Dante, s'il te plaît, peu importe le problème, ça peut attendre, juste pas. Non, il ne peut pas. C'est lui qui m'a mise enceinte. Qui? 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 C'est Elon. Tu commences à perdre la tête. Tu es vraiment anormal. Je n'ai pas du tout l'air. Chef, je suis vraiment désolée. Je suis profondément désolée de tout ce que j'ai pu causer dans cette famille. Je n'avais pas trop envie de me fâcher. Et je ne sais pas comment il sait à propos de votre secret familial. Elon m'avait pris. Et il m'a forcé de séduire ton père. Monsieur? Oui. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis parfaitement bien. La façon dont j'ai vu ton regard, ça m'a tout dit. Chief? Tu peux m'amener dans la chambre d'invité? Tu n'as absolument rien à craindre. Chief, tout le monde dort déjà, ok? Juste moi et toi. Cela te plaît? Je sais que tu en as besoin. On était allé parler. Et après quelques minutes... Bon, ferme la salle, petite sotte. Ne me dis pas de fermer ma bouche. T'as assez fait, et qui veux-tu encore blesser? Pourquoi tu le demandes de se taire? Tu ne veux pas que tout le monde sache qui tu es en réalité. Hein? Est-il vrai? Hé, hey, bébé. Ce n'est pas comme si c'était vrai ce qu'elle... C'est vraiment vrai? Vas-tu parler où tu veux que je le fasse moi-même? Mais dire quoi? Elle doit me dire quoi? Oh non. Non, 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 non. Non, ça ne peut pas arriver. Tous les deux? Pourquoi tu peux me faire ça? Chelsea, tu as couché avec mon fiancé. Et je suis désolée. N'ose pas. N'ose pas citer mon nom. Ben, s'il te plaît, tu peux juste arrêter d'apparaître comme une sainte? Tu n'es pas sainte ici, s'il te plaît. Je t'avais vu. Je t'avais vu quand j'étais allée voir ton père. Je t'avais vu.
Dante, es-tu toujours debout? Oui, je n'ai pas vraiment sommeil. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Pourquoi prends-tu de l'eau à cette heure de la nuit? Ah, en tout cas, je n'ai pas vraiment sommeil du tout. Maintenant, je peux voir qu'est-ce qui te rend aussi brillante. Oh, s'il te plaît. Ne me flatte pas. Sérieusement, pourquoi tu es encore debout? Rien. Ça veut dire que tu n'as rien à faire avec ma sœur? Alors, si c'est le cas, reste avec moi. Je pense qu'elle a trop bu. Veux-tu me rejoindre? Non. Je ne prends pas d'eau à cette heure-ci. Mais si tu insistes... Oui, insiste. Ça serait mieux pour toi. Peut-être que tu seras comme moi, je suis. Ok. Oui. Très bon, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais... Dante... Tu es très belle. Arrête. Je pense que je dois aller au lit maintenant. Bon sommeil. Bonne nuit. Quoi? Donc tous les deux, vous vous êtes comportés comme des sœurs. Dante... Rien ne s'était fait, ok? Et n'osez pas me comparer à vous parce que je ne suis pas comme vous. Parce que je ne suis pas. Rien ne s'était passé. Et pour être franc, tu ne m'as jamais intéressé non plus. Tout ce qui m'intéressait, c'était l'argent. Mais cette pute, cette bâtarde a complètement tout fait foirer. Ah, regarde ce que tu m'as fait. Arrête, regarde ce que arrête tu m'as ça. Fait. Ah. Hey. Couché. Comment es-tu parvenu à connaître le secret de ma famille? Parle! Le défunt, Dr. Uche Johnson, était mon oncle. Quand il est mort il y a 2 ans de cela, j'étais en train d'aider son fils à nettoyer son bureau et c'est là que j'ai découvert son testament. Je l'ai lu. Il avait beaucoup écrit à propos de vous deux. Alors c'est là que j'ai eu un plan. Quand j'ai découvert la situation de Kevin, votre fils... Quel plan? D'épouser toutes vos filles. Mais Penelope ne rendait pas les choses faciles pour moi. Je devais changer vers Chelsea. Kiki faisait juste partie du plan. Tu n'as pas aussi honte de le dire. Tu as joué avec leurs émotions. Tu as fait ça avec mes filles. Et tu as détruit ma famille. Tekul. Reste là où tu es. Assieds-toi. As-tu couché avec Uche? Est-il le père de ses enfants? C'est que veut dire que
j'ai couché avec mon cousin. Oh, s'il te plaît, dites-moi que ce n'est pas vrai. Je t'ai posé une question. Uchuke m'avait menacé en disant qu'il dira ton secret à tout le monde si je ne couche pas avec lui. Un jour, je lui parlais de cette conversation encore et je lui ai prévenu en disant que une fois il essaye, je vais l'accuser à la police. Il savait déjà l'implication et il m'avait laissé faire. Uche n'est pas votre père. Alors qui est mon père? Parlez-nous, qui est notre père? Mon gars, mon gars, allez, dehors, s'il te plaît, calme-toi un je peu. Vais te vas-y, couper cette maison. Ne blague pas avec vas-y, moi, dehors. Vas-y doucement, hey, mec. Allez doucement avec moi. Sors, dehors, dehors tout de suite. Sors de cette maison. Sors tout de suite. Sors de cette maison, sale pute. Sors. Va-t'en, bébé. Va-t'en de cette maison. Allez, dehors. J'attends, c'est mal que tu sors d'ici. Et enlève-moi ce n'importe quoi d'ici. Sors d'ici. J'ai dit bien ça. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Qu'est-ce que tu dis? Tu es mon ami? Et tu as menti sur moi? Sors d'ici. Va-t'en. Akoube, viens chasser cette chienne d'ici. Dégage. Vas-y. Dégage d'ici. Stupide. Mon ami. Sors d'ici. Tu es mon ami. Tu n'attends pas. Tu ne sors pas. Ok. D'accord. Je n'ai pas la où aller. Je te fais. Sors d'ici. Vas-y. Sors. Sors. Stupide. Sors d'ici. Allez-vous, c'est n'importe quoi. Imbécile. Sors. Ne fais pas ça. Je n'ai pas la où aller. Allez-vous, allez-vous-en. N'importe quoi. Mon ami, s'il vous plaît. Désolé. Babe, je suis désolé. On peut toujours en parler. Je suis vraiment désolé. Tu dois vraiment remercier parce que je n'ai pas appelé la police. Dégage d'ici. Va-t'en, non? Ouais. Ne l'as-tu pas entendu? Va-t'en. S'il te plaît. Bene, s'il te plaît. Je t'ai demandé, je n'ai pas là où aller. S'il te plaît, je t'en supplie. Si tu as encore le temps, entre même dans la brousse. S'il te plaît, tout ça me concerne. Juste, pense même à mon enfance. Où est-ce que j'irai avec lui, s'il te plaît? Pense à nos choses. Je suis ta meilleure amie. Mère amie, c'est maintenant que tu penses à me dire de passer au beau souvenir quand tu m'as fait du mal comme un démon. Dégage d'ici maintenant. Va-t'en! Oh, hé, hey, monsieur, hé, hey, hé hey. S'il te plaît, oh, yeah. Parle à Beno pour moi, s'il te plaît. Je vais casser ce truc, je vais casser ce truc. Ok. Aide-moi. Où est ma machette? Beno. Sérieux, c'est n'importe quoi. Regardez où vous avez mis votre voiture, devant la partie de quelqu'un. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Maman, s'il te plaît, juste dis quelque chose. Beno, n'ose pas. Je ne veux pas t'entendre prononcer mon nom. Est-ce que tu m'as entendu? Maman, je veux savoir qui est mon père. Et je veux le savoir maintenant. Pardon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé juste de protéger votre père. Qui est notre père? Qui est notre père, maman? Il est là. Il doit être là. Parce que je ne connais pas. Je ne connais pas qui est votre père. Oui. I'm ready to fly, but my wings have grown so weak. I never knew
I've learned the game, but the rules, they have changed, though. I'm ready to fly, but my wings have grown so weak. I never knew. I've learned the game, but the rules, they have changed, though. Oh, yeah, 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 yeah. Away, yeah, 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 yeah. Away, yeah, 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 yeah. Away, yeah, 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 yeah. Est-ce que tu l'as cru? Je veux dire, elle ne connaît pas vraiment qui est notre père. Tu l'avais bien entendu. Ah. À notre âge, je ne connais pas notre papa. Quoi? J'ai une capture dans ma tête. Essayer de capturer maman. Faire des choses stupides. Et cela nous a tous détruits. Comme par exemple, je ne sais pas qui est mon père. Comment peut-on penser que c'est ainsi? Tu sais, la douleur vient souvent chaque jour. Je veux dire, ça arrive toujours. Que veux-tu que je fasse? J'ai été détruit par toute personne que je connais en amour. Ma meilleure amie. Mon fiancé et ma sœur. Qu'ils aillent tous en enfer. Ben, tu es assez bien comme ça. Tu sais, maman s'était décidée de faire ce qu'elle a fait. Et Chelsea s'est décidée de me détruire. Et donc, ils ont commencé. Ils ont commis une erreur trop grave. Et personne n'avait demandé mon opinion dans tout ça. Personne ne s'était inquiété de ce que je ressentais. Même quand on me fait plaisir, elle s'en fout. Ça va aller. Ça va aller. Ça suffit. Ça va. Je suis désolé pour tout. Tu sais, j'ai pensé à comment est devenue notre famille maintenant. Est-ce que j'aime encore Dieu? On a nous tous fait des bêtises. Excepté toi. Tu es le saint parmi nous tous. Merci Ben. Ben, ça suffit Mina. Arrête. Merci beaucoup. Merci de me l'avoir dit. Je suis très content. Mais je suis désolé pour tout. Vraiment désolé. Ok? T'inquiète. Je suis là. Je suis là pour toi. Merci pour tout. Life is not easy.
take life easy, my brother. Take life the way you see it. Life is just like another road. Sometimes you can see good, you can see bad in your way. Ooh, I. Quel genre de problème est ça au juste? Ça va faire 2 semaines maintenant. Cet endroit est devenu comme un lieu d'enterrement. On n'entend même plus un quelconque bruit. Ils ne parlent plus entre eux, sans même parler de rire. Donc c'est comme ça que la famille se sépare vraiment. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Ce n'est pas pour rien que les hommes sages disent toujours que les riches pleurent aussi. Quelquefois, vous pouvez les voir avec des très très beaux habits, de très belles voitures, mais vous ne savez pas que quand ils rentreront dans leur maison, ils vont commencer à pleurer pour leurs erreurs du passé, ainsi que pour leurs secrets. Moi, en tout cas, je ne serai pas comme ça. Je ne serai jamais comme eux. Je vais aller trouver de la nourriture pour manger. Patron, écoutez, je sais que j'ai... C'est comme si tu es en train d'oublier ta place. Non, je n'ai pas oublié ma place. Écoutez, Oga. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que je ne vous ai jamais conseillé, mais écoutez-moi au moins, Oga. Vous savez, patron, je sais que vous êtes en colère. Mais cette colère, vous ne devriez pas la rejeter sur votre femme. Si vous voulez être en colère, vous devez choisir entre Satan ainsi que Dieu et vous-même. Pas madame. Cette femme s'est battue elle-même pour vous. Elle vous a donné 3 magnifiques enfants. Oh gars, j'essaie juste de vous dire, vous ne pouvez pas la laisser. Pardonnez-lui simplement et juste oubliez cela. Hein? Koumé, tu vois, je comprends parfaitement ce que tu dis. Mais ce n'est pas facile. Aussi longtemps que ces enfants vous ont accepté comme leur père. Hein, acceptez-le seulement. Hein? Un coup, mais comme je viens de dire, cela ne va pas être du tout facile. Patron, c'est facile, oh. C'est facile. Essayez. Tu ne peux pas du tout comprendre. Patron. Je vous remercie tous d'être venus ici. J'ai convoqué cette réunion pour m'excuser auprès de vous tous. Surtout à mon fils Kelvin et ma belle et charmante épouse. Je veux m'excuser auprès de vous tous. J'ai honte, je suis désolé. Pour ce que j'ai dit et fait, je n'arrive pas à m'imaginer en train de dire à ma femme de quitter ma maison. C'est une honte. Je suis désolé. Je sais que je ne peux pas te payer pour tous les sacrifices que tu as faits pour moi. Mais ce que je peux promettre, c'est que croire en toi pour toujours, passer chaque seconde restante de ma vie à faire en sorte que je te traite comme il faut. Je vous aime tous, mes enfants. Je vous apprécie tous. Désolé. Pardonnez-moi, je suis désolé. Je t'aime aussi, mon mari. Merci beaucoup, ma femme. Je suis vraiment désolée. Je ne te l'avais pas dit. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, ça va. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je suis désolé, les enfants. Je pense que c'est un honneur d'être votre père. Et je continuerai d'être votre père, de sang ou pas. Je vous le promets. Grande sœur,
Bene, s'il te plaît, je sais que j'avais fait quelque chose que personne d'autre pourrait faire. Je t'ai détruit, ma sœur, et cela me blesse tellement. S'il te plaît, je te demande d'essayer. Essaye de me pardonner. Je suis profondément désolée, s'il te plaît. Bene. Que veux-tu que je dise? Que je t'ai pardonné? Es-tu désolé, n'est-ce pas? Es-tu désolé parce que tes plans n'ont pas pu être terminés? Maman, papa, je n'ai pas cette humeur de vous parler maintenant. Mais toi, Chelsea, partant de ce que tu as fait, je stopperai de dire que j'avais une sœur. Faisons comme si on ne s'est jamais connu. Parce que tu m'as choquée quand tu as essayé de faire ce que tu as fait. Crois-moi, je suis désolée. Je sais que tu es désolée. Je sais. Je te pardonnerai avec l'état, mais pour le moment, soyons comme ça. Restons à distance. Ben, je suis désolée. Je regrette pour toute chose. C'est moi qui joue, hein. Je te donne ça. Hey, c'était quoi ça? Tu n'as même pas dit ça. C'est des gars, tu as touché, tu vois, non? Vous voyez, vous mentez. Soyez-moi vu. Non? Jouer comme ça. Ouais. Vous touchez tous les deux femmes. Même toi, tu veux faire ça. Regarde. Voilà. Je ne veux pas vous suivre, s'il te plaît. Jouons, c'est moi qui ai tapé ça. Oui, c'est ton tour, non? Vous savez tous que je suis le meilleur. Regardez-moi ces filles. C'est moi qui gagne. Qui est en train de gagner cette fois? C'est moi qui gagne, papa. Oui, vous êtes tous heureux. Je suis heureux aussi. Vraiment, papa? J'ai fait une réservation pour une sortie. Ouais! À quelle heure, papa? C'est ton bébé. À quelle heure, papa? À quelle heure? C'est à 7 heures du soir, bien sûr. Non, papa. 17 heures, c'est très loin. Pourquoi pas maintenant? Hein? Même à 23 heures? Oui. Je sais, mais je vais sentir le soleil. Kevin, de quoi est-ce que tu parles? Kevin, je veux que tu m'écoutes. Oh, papa, s'il te plaît. Vous tous, autant que vous êtes, je vous apprécie beaucoup d'avoir pris soin de moi. Vous vous êtes sacrifié juste pour me donner l'accès à d'autres choses. Je vous apprécie beaucoup. Et croyez-moi, je vous aime beaucoup. Mais s'il vous plaît, laissez-moi juste sentir ce soleil. Juste une fois, s'il vous plaît. Kevin, tu ne sais pas de quoi tu parles exactement. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Oui, maman, je sais. Mais je suis prêt pour prêt ça. Prêt pour quoi, Kevin? S'il te plaît, n'ose pas. Kevin, il faut que tu prennes d'abord ton traitement. Tu comprends? D'accord? Papa, peut-on juste essayer et croire? Papa, je suis fatigué de vivre dans l'ombre. Je veux être libre, s'il vous plaît. Non. Maman, s'il te plaît, je suis tellement content qu'on redevienne encore une famille heureuse. Je suis tellement content pour ça, mais s'il vous plaît, laissez-moi vivre. S'il vous plaît, non. Amaka. Maman, désolé. Papa, désolé. Il n'est pas sérieux du tout avec ça. Oui, oui, je pense qu'il blague. Maman, il a l'air sérieux. Non, ne vous inquiétez pas, d'accord? J'irai parler avec lui. Like
C'est parfait. Tu as aimé ça? Non. Je l'adore. Ouais. Je l'aime beaucoup. Je blaguais juste. Très bien. Je vais chanter pour toi. Ok. Ça se passe comme ça. Qu'y penses-tu? C'est un peu triste. Triste? Non. C'est tellement mieux. Tu sais, la partie où on grandit ensemble. Qu'y penses-tu? Grandir ensemble. J'aime ça. Je suis là. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis qu'on voyagera ensemble. Mais non, regarde ce que tu dis. Tu m'avais promis. Oui, je t'ai promis. Tu étais une barrière pour moi. Mais je t'aime beaucoup. Mais je ne peux pas garder un truc si important. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Je le suis. Je le suis. Tu mérites mieux. Tu mérites beaucoup. Mais il faut que tu saches que je ne peux pas te l'offrir. Est-ce que tu me comprends? Je sais que tu aimes aller au parc. Tu aimes aller à la plage. Et tu mérites quelqu'un qui peut t'amener là-bas. Sans pourtant avoir perdu une allergique quelconque. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te l'offrir. Je veux que tu vives la vie comme bon te semble. Je serai là pour toi. Je sais. Je sais que je t'aime beaucoup. Je veux dire, ça sera un grand plaisir pour moi de récupérer tous les moments perdus avec toi. Chaque jour, chaque semaine, tous les mois. Oui, chérie. Ah oui. Toute l'année. Je t'aime beaucoup. Sois juste mon rocher pour ces derniers moments. Je t'aime. Je t'aime aussi. Kevin, pourquoi ne vas-tu pas mettre un habit qui te protège contre le soleil pour bien te couvrir, comme tu as insisté que nous sortions? Ça fait trop mal. Aussi, partout où tu vas aller, il faut toujours avoir des vêtements qui te protègent contre papa. Le soleil. Nous sommes là, nous t'attendons. Très bien, papa. Voilà. Bon, viens. On y va. I'm ready to fly, for my wings have grown so weak. I never knew Atlantic came, but the rules they've changed, though. I'm ready to fly, for my wings have grown so weak. I never knew Atlantic came, but the rules they've changed, on peut aller. Oh, yeah. Yeah.
In a moment like this, I feel so happy. In a great time like this, I feel so happy. I feel cool, I feel cool. As a moment of joy, I feel cool, I feel cool. Je m'inquiète beaucoup pour mon fils. Je ne crois pas que ça fait déjà 10 ans depuis que tu nous as laissés. Tu me manques beaucoup. Ça va aller. C'est Bene. Penelope. Allô, Bene, mon amour. Comment tu te portes? Oui, je vais bien. Et toi? Quoi? Tu es déjà en labo. Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Oh, tu parles au lit? Oh. Oh, remercions Dieu. Je pense que tu vas bien. C'est bien. Je suis vraiment contente d'attendre cette bonne nouvelle. Hey, remercions le Seigneur. Oh oui, il est ici avec moi. Laisse-moi s'il Il veut aussi parler. Te parler. Oui. Oui. Parle à ta fille. Salut, ma chérie, Penelope. J'espère que tu vas bien. Oh, comment va le petit bébé? Un merveilleux petit garçon. Bébé garçon. Et remercions le Seigneur. Dieu merci. J'ai un petit-fils maintenant. Oui, très bien. Je suis très heureux pour toi. Oui. Oui. Comment va ton mari? Ah. Oui, très bien. Oui. Très bien. Prenez bien soin de vous, d'accord? Que le Seigneur vous protège. Très bien, ma chérie. Penelope. Allô, Bene. Oui, je leur dirai quand ils seront de retour bientôt. Très bien. Oui. S'il te plaît, tu dois bien prendre soin de toi, d'accord? Merci, chérie. C'est merveilleux. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. I never knew Atlantic came, but the rules they have changed.
ready to fly, but my wings have grown so weak. I never knew I've learned the game, but the rules they have changed. Oh, oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. I have found my voice. Has been displaced. I have gotten the courage to move on for life, but the stage is no more. Oh, 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 yeah. I've kept my sight, but my vision I've lost it. I've lost it. Oh, oh, oh. I'm ready to fly, for my wings have grown so weak. I never knew I've learned the game, but the rules they have changed. Oh, I'm ready to fly, for my wings have grown so weak. I never knew I've learned the game, but the rules they have changed. Oh.